Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Je pense que ce sera l'avant-dernier. Je suis contente, j'aurais quand même su faire quelques vidéos unboxing calendrier de l'Avent cette année. Donc voilà, maintenant ça m'a quand même coûté un petit budget. Et celui-ci, je t'ai proposé... Enfin, je t'ai demandé plutôt sur Instagram si ça t'intéressait que je le déballe en vidéo. Et j'ai reçu pas mal de réponses positives. Je crois que je n'ai eu qu'un nom, donc franchement, ça va. C'est celui-ci. C'est celui de chez Invisibobble. Donc, quand je t'ai présenté mon guide du calendrier de l'Avent, le numéro 2, si je ne me trompe pas, je t'en ai parlé et je m'étais dit que je voulais le prendre, sauf qu'il était en rupture de stock sur Boozy Shop. Et puis, il est revenu en ligne. Donc, voilà, je l'ai pris. Je suis très contente. Invisibobble, je connais un tout petit peu, j'ai juste quelques élastiques, tu sais, ceux qui sont en tourbillon là, qui sont censés ne pas abîmer les cheveux, et j'aime bien. Maintenant, je vois passer sur Boozy Shop, ils font pas mal de jolis accessoires, donc je me suis dit pourquoi pas tester le calendrier. Je sais plus à combien il était, à 35 euros je crois. Je te le renoterai de toute façon. Et à l'arrière, on voit ce qu'il contient, donc je vais essayer de pas trop regarder. Il y a 24 cases. Je vais regarder combien il compte, comme ça on va faire le prix par case. Ah non, il coûte 24,95€ divisé par 24, ce qui fait 1,03€, allez 1,04€ le cadeau, donc franchement ça reste intéressant si on aime ces accessoires là. Donc on va voir, je sais qu'il y en a plusieurs les mêmes, ça je l'avais vu, maintenant est-ce qu'ils ont des couleurs différentes, on va bien voir. Donc je me décale comme à chaque fois et on commence l'unboxing. Alors le numéro 1 est juste ici. Eh ben, c'est un premier élastique comme ça, tourbillon, spirale, je sais pas comment on dit, d'une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Donc ça c'est top. Le numéro 2, c'est un, ici il est plus fin, est-ce que ce serait comme des petites pinettes? Oui c'est ça. Donc voilà, c'en est une comme ceci, et alors elle se ferme à ce que je vois, je pense que tu le verras. Donc franchement c'est chouette, à tester, j'ai jamais essayé ces produits là, donc ce sera à voir. Le numéro 3 est juste à côté. C'est un autre élastique comme ceci, transparent. Voilà. Donc franchement, je l'ai acheté parce que je savais que ces petits accessoires-là, j'allais les utiliser. Sinon, je pense pas que je l'aurais pris. Mais je n'en ai pas beaucoup entendu parler de ce calendrier. Donc, je trouve ça... Voilà, je m'étais dit pourquoi pas le présenter en même temps. Le numéro 4 est juste ici. Il est facile à ouvrir. C'est un autre petit élastique, alors il est transparent et à l'intérieur on a un filament un peu métallisé, doré. Je ne sais pas si tu verras, à mon avis tu vois qu'il a une couleur différente. Donc là on a le doré, le quatrième, et là on a le transparent, donc voilà, on voit qu'ils sont différents. Donc chouette aussi. Le numéro 5, il est juste ici. Ah, le même style, il me paraît plus grand. C'est vrai que le transparent, si je reprends le transparent, il est plus petit. Mais ici, c'est un peu le même style que celui d'avant, un tourbillon, là, bigoudi, je ne sais pas comment on dit. Et lui, il est rose fluo. Le numéro 6, il est ici, c'est un grand. Un chouchou peut-être? Je sais qu'ils en font, mais est-ce qu'il y en a un dans le calendrier? C'est pas pour toi qui... Ah! J'ai mal ouvert la carte. Voilà. Oui, oh, il est beau. C'est un chouchou un peu taupe. À l'intérieur, c'est un élastique comme ça. Je le sens. J'aime beaucoup. Il est très beau. Et je suis très chouchou pour le moment. C'est revenu à la mode et j'adore ça. Très contente. Il me semble qu'il y avait quelques accessoires à cheveux qui étaient exclusifs pour le calendrier. Mais je ne sais pas lesquels. Je regarderai à l'arrière après voir si je trouve. Le numéro 7, il est ici. Ben c'est de nouveau un tourbillon, mais il est plus large. À mon avis, ils ont des... Il est transparent. Ils ont des utilisations différentes. Donc, je regarderai. Mais voilà, c'est très chouette. J'ai Guimauve qui voit que je déballe des choses. Donc, il est près de moi et il pense que c'est pour lui. Mais c'est pas pour toi. Mon petit chou, t'es trop beau. Oh oui. Alors, le numéro 8, juste ici. Il souffle super bien. Un petit tourbillon blanc. Voilà. Le numéro 9.
ici. Oh, elle est belle. C'est une pince à cheveux un peu léopard. Elle est très sympa. Elle est plus large. Et donc, elle se clipse aussi comme ça. Ouais, donc voilà. Là, elle est ouverte. Voilà, fermée. Très sympa aussi. Moi, j'aime bien. Le numéro 10. Ici. Encore un plus large. Et lui, il est doré. Celui-ci, que je t'ai montré, il est plus rose gold, en fait. Maintenant, d'avoir un doré à côté. Voilà, un doré plus large. Le numéro 11, juste à côté. Un plus petit, sûrement. Oui. Un plus petit, transparent. Je trouve que là, on en a quand même beaucoup. Hein. Donc ça, c'est le 11. Le numéro 12. Ici, on est à la moitié du calendrier. Allez. Pareil, mais c'est un noir. Je regardais si c'était pas un brun, mais c'est un noir. Ah, quoique. Non, c'est noir. J'étais au 12. Le numéro 13, ici en dessous. Ah, il est beau celui-là. Donc, c'est un plus large et lui, il est multicolore. Je sais pas si tu verras. Le 14, ici. Oh, c'est sympa. Alors là, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est à nouveau un petit tourbillon, on dirait une cerise, avec deux petites perles. Donc, qu'est-ce qu'on enroule autour? Je sais pas du tout, je regarderai, mais je trouve ça chouette. Ça change un petit peu au moins. Le numéro 15, ici au-dessus. Un tourbillon qui est rosé, métallisé. Je ne sais pas si tu verras bien, très joli. Le numéro 16, il est ici. À nouveau un transparent. On en a trois, mais c'est des tailles différentes. Et là, j'avais reçu un transparent, mais il est plus blanc. Je ne sais pas si tu verras. Attends. Ah, celui-là est plus blanc que celui-là est vraiment transparent. Donc, le numéro 16. Le numéro 17. Ici, en dessous. Encore un brun. Le numéro 18, ici. Pareil que l'autre avec les petites billes. Ça fait les jeux. Hein. Je sais pas du tout comment on met ça. Je sais pas. Je regarderai. Le numéro 19, ici en dessous. Encore un noir. Oui, un noir plus large. On avait reçu un plus petit. Le numéro 20, on arrive dans les derniers jours. Un arc-en-ciel. Très joli. Le 21, c'est une plus grande case. Ouh, ça j'aime bien. C'est un chouchou en velours. Oups. Un chouchou en velours noir. Il est très beau. Ça j'aime bien. Le numéro 22, ici en dessous. Un rose mat. C'est comme le premier qu'on a reçu, mais plus foncé. Voilà. Le 22, c'était le 22, le 23 ici. Pareil, mais un large un peu lavande. Et le 24, le dernier, qu'est-ce que c'est? Un chouchou rose. Rose un peu mauve, en velours, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on dit ceci, c'est des twins. Facile à utiliser. Ils ont mis utiliser avec un Z, ZER. Confort supérieur, design sans trace. Oui, en fait, c'est comme pour faire une queue de cheval et on enroule. On enroule. Je verrai, je testerai. Sinon, on a 6 originaux. Donc, ce sont ceux-ci. C'est moins de dommages, moins de traces et moins de douleurs. Ensuite, on a 6 limes. Je pense que ce sont ceux-ci. Parce qu'ils sont plus larges mais fins et on en a des. Un peu plus grand mais plus épais.
C'est fin et élégant, confort supérieur, design intemporel. Et eux, je vois qu'ils le font comme un chignon, par exemple, pour retenir le chignon. Power, on en a 3. 1, 2, 3, ben oui, je pense que c'est ceux-ci. C'est forte tenue, confort supérieur pour un style de vie actif. Weaver, on en a 1, ben c'est la petite pince du deuxième jour. Ça, c'est dommage, ça aurait été bien d'en avoir un peu plus, je trouve. Fermeture sécurisée, confort supérieur, design sans trace. Des twins, donc c'est les petites boules, là, on en a 2. Des scrunchies, on en a 2. Ce sont ces deux-ci, les deux chouchous. C'est spirale originale à l'intérieur. Donc, les originaux, c'est ceci. Icône de style, moins de dommages, moins de traces, moins de douleurs. Ensuite, on a une barrette comme ceci. Sans métal, surface antidérapante, design sans traces, poids léger, ne glisse pas. Ce sera testé. Un scrunchie slim, c'est celui-ci. Spirale slim à l'intérieur, fin et élégant, confort supérieur et design intemporel. Et extra care, je pense que c'est ceux-ci, vraiment les tout petits, je pense, puisqu'il y en a 2 et je ne vois que 2 comme ça. C'est idéal pour cheveux fins, confort supérieur, tenue douce. Voilà, donc c'est un... les scrunchies, donc les 3 chouchous. Avec celui-ci, c'est ça qui est designé vraiment que pour le calendrier. Et alors j'aime bien parce qu'à l'arrière ils mettent que c'est une bonne affaire. Alors oui, c'est une bonne affaire parce que ça reste pas cher, c'est quand même des trucs à l'unité qui sont assez élevés, assez coûteux je trouve pour des élastiques. Maintenant, je trouve que en voyant tout ce qu'ils proposent en général, ils auraient peut-être pu diversifier un peu plus. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de chouchou, peut-être. J'en ai 3 pourtant, mais j'aime beaucoup. Ça, ben une, c'est un peu dommage, ça aurait été bien 2 pour mettre, je sais pas, moi, 2 à côté. Ils en font des très jolies, donc pourquoi en avoir mis qu'une? Ces petits trucs-là, d'en avoir 2, ben c'est pas mal, c'est 2 styles différents, donc pourquoi pas. La pince, là, ben pareil, on en a une, mais ça aurait peut-être été bien d'en avoir 2. J'ai vu qu'ils faisaient un très beau chouchou cette année pour les fêtes, en tissu un peu voile, un peu organza, avec des petites étoiles, ben ça aurait été bien de retrouver un truc comme ça dans le calendrier. Donc voilà, je suis un peu déçue quand même. J'avoue, j'ai pas regardé ce qui contenait exactement. Je m'en doutais que j'allais recevoir des trucs comme ça. Ça, je le savais. Mais je m'attendais peut-être pas à autant. Voilà. Maintenant, je suis contente de l'avoir acheté. Je sais que c'est des produits que je vais utiliser. Enfin, des accessoires que je vais utiliser. J'ai vraiment hâte de tester ces petits trucs-là, voir ce que ça donne. Mais en demi-queue ou quoi, ça peut être joli. Enfin, en demi-queue, une petite queue ici sur le côté, ça peut être mignon. Donc voilà, ce sera à voir. Les chouchous, bah, je testerai aussi, voir si c'est vraiment différent d'un élastique normal. Mais je les trouve très beaux. Donc voilà, je suis un peu partagée, mais contente de l'avoir testé. Je ne le reprendrai pas tous les ans, je pense, mais voilà, cette année, je l'ai fait et je suis contente. Et comme ça, bah, je peux te montrer ce qu'il contient. Donc voilà. Donc comme à chaque fois, là j'ai tout bougé, mais je vais tout remettre dans les cases pour réouvrir au mois de décembre. Et donc, ben voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as craqué sur ce calendrier, si tu vas craquer ou au contraire si tu ne craqueras pas du tout. Voilà, tu sais bien, je le dis à chaque fois, mais ça me fait plaisir de le savoir et de partager avec toi. Il me reste un calendrier à te présenter, donc ce sera dans la... Si ce n'est pas la prochaine vidéo, ce sera la suivante. Mais voilà, je vais terminer avec un calendrier. Et voilà, je te remercie de me suivre dans cette petite série vidéo. J'espère que ça te plaît. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah !